Mon truc, c'est de me vider l'esprit en allant courir chaque matin accompagnée d'Anna. Anna, c'est ma coloc et ma meilleure amie depuis notre enfance. Même si on court pour le plaisir, il y a toujours eu cette petite rivalité entre nous de ne pas flancher la première. Et je dois dire qu'aujourd'hui, elle m'a surprise. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 17 avril 2013, au lendemain d'une tragédie meurtrière ayant frappé notre pays. Après l'attaque aux bombes, hier, en fin d'après-midi, qui n'a d'ailleurs toujours pas été revendiquée, des rapports émanant des hôpitaux ayant pris en charge les victimes relatent plusieurs attaques physiques commises cette nuit par celles-ci au sein même de leurs établissements respectifs. Il semblerait qu'une émeute ait même éclaté à Carnac et la situation semble de plus en plus difficile à contrôler. Alors, ouais, j'arrive. Attends, je prends de l'eau. En fait, ils ont dit quoi tout à l'heure aux infos? Je sais pas, j'écoutais pas. Attends, il y a 5 bombes hier qui ont pété et toi ça te fait rien? Mais non, mais je sais ça. 5 bombes qui ont pété, qui ont été posées par on ne sait qui, une centaine de morts, des milliers de blessés. On se verra un peu plus ce soir aux infos. Ouais. Ça va? T'as été mordu? Quoi? Est-ce que t'as été mordu? Non, ils ont pas eu le temps. Elle a pas été mordu, c'est énorme! Elle a pas été mordu, c'est génial! Vous êtes qui et c'est quoi tout ce bordel? En plus, mon ami a été attrapé et... C'est qu'un jeu!